Eh bien, aujourd'hui, la gratification de covoiturage est étendue à quasiment l'ensemble des départements de la Savoie. C'est un grand jour, tout simplement, parce que la gratification fonctionne. On le voit déjà entre Grand Chambéry, Grand Lac et Cœur de Savoie, qui est un dispositif soutenu par le département. On a plus d'inscrits, on a beaucoup plus de trajets qui sont réalisés en covoiturage. Et en fait, on s'attaque, entre guillemets, à l'autosolisme, c'est-à-dire quand on est seul dans sa voiture, tout simplement, voilà, parce qu'on rationalise les déplacements. Et il y a un effet financier, puisqu'on vient gratifier, donc rémunérer, que ce soit les conducteurs ou les passagers, pour qu'ils justement ils puissent passer au mode covoiturage. Et donc voilà, sur ce grand territoire de Grand Lac, Grand Chambéry et Cœur de Savoie, ça fonctionne. C'est quelque chose qui va aussi très habilement toucher les territoires ruraux. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Donc on est très heureux du côté du département de la Savoie que ce dispositif puisse être généralisé à l'ensemble du département. Et je pense que le département de la Savoie est un des rares départements à l'échelle nationale d'avoir un dispositif comme ça de cette ampleur. Et bien ça va s'échelonner entre octobre et novembre au fur et à mesure effectivement que les collectivités vont s'engager avec BlaBlaCar Daily. Et pourquoi avoir aussi choisi BlaBlaCar? Tout simplement parce qu'en fait c'est un acteur qui est reconnu par un maximum de citoyennes et de citoyens. Donc voilà, on a la garantie en tout cas que ça fonctionne, que ça soit simple, lisible, et que le plus grand nombre de citoyennes et de citoyens puissent passer en mode covoiturage.